complètement raté ma tentative d'intro. Je voulais faire coucou, que ça... Non, ça a pas marché, j'ai pas coupé le bon son. On le refait. Coucou. Voilà, là c'est bien. Bonsoir Alcouille, bonsoir Zervrit, qui est là. Retour du streamer qui... Votre streamer revient d'une semaine, d'un début de semaine détestable, d'une fatigue avec la chaleur et les enfants qui s'éclatent les genoux. Ah, j'en peux plus. Bonsoir l'asperge et Messi. Je suis pas vraiment disponible les derniers jours, je vais donc un petit haut la main rapidement. Haut la main. Hop. Ah, salope pour les. En te souhaitant avec son soir extérieur, j'essaierai de passer d'est que j'en aurai le temps disponible. Écoute, ma chère asperge et Messi, hein, qui est sponsorisé par Messi, n'hésite pas quand tu peux. Écoute, là les lives vont reprendre un petit peu. Souhaite de mettre cela à tout le monde, d'accord. Écoute. Tout le monde l'a bien reçu. Non mais oui, non mais là les lives vont revenir, mais j'ai eu vraiment une semaine compliquée. Oh là là. Alors j'avais pas envie de refaire du Resident Evil, et il se trouve que ce petit jeu là, il pleut plus pour les ouvriers. Oui déjà, mes volets sont posés. En vrai c'est... Hey, petit bouton, zzz, ah, c'est l'ombre ou quoi que ce soit. Zzz, ah, tu remontes, ah, pas d'effort. Il y en a qui ont essayé de sub, ils ont pas eu de problème. C'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé de sub, ils ont eu des problèmes. Essayez de sub, merci Queen pour le 26e mois, ça commence à faire molto bene. 26 mois, oh, tout cet argent, eh, mais faut donner parce que maintenant faut le faire atterrir de l'espace, l'autre zouzou. Enfin, quoique non, parce que sinon personne ne donnerait plus l'argent. Ça n'en finit plus, mais oui. Mais quel est le secret de cet homme alors que la sombritude de la noirceur de notre monde envahit ma chambre, enfin mon bureau, et que je deviens de plus en plus noir. Bien sûr. Et aussi les mouches, parce que les mouches, on déteste ça, bien sûr. J'ai un jeu pour toi qui va sortir, un FMV. Ah, ah bah écoute, vas-y, dis-y, moi on a le temps là. Ah bah les heures, oh oui, bah je suis fatigué, j'en peux plus. La chaleur me bute, pourtant il fait pas si chaud que ça, mais les journées au boulot, putain. Enfin ça, demain c'est télétravail, c'est pour ça qu'on se permet de streamer ce soir, hein, sinon on la flemme. Hein. Qu'est-ce que c'est ton fameux vœu? Bah bien sûr, ça marche. Écoutez, mais si, les initiales, hein, c'est Martin Solveig. Isabelle, peut-être c'est son deuxième prénom. Alors, pas les producteurs de The Complex. Oh, co-développé par. Oh, le mix des voleurs russes. Oh, Nightbook. Alors là, Nightbook, ça va partir, tu sais quoi? Alors, Nightbook. Moi, je vais aller sur Keymailer, de ce pas. Voir s'il est dans la liste déjà. Parce que alors ça, il y a tous les talents. Bon, Medovsky, ah, Nightbook. Request key. Je request la key sur Steam. Et c'est avec une certaine impatience. Oui, à 100% je le couvrirai. Oh putain, là que je vois les images là. Ah. Ah, développeur, voilà, Wales Interactive, ok, publié à Good Game. Oh putain, ça va être bien ça. Distance pendant le confinement. Ah putain, oui, il y a que des plans en zoom et tout. Enfin, logiciel zoom. Oh. Oh, ça va être bien ça. Bonsoir God Bless, bonsoir Yugi. Du coup, ce soir c'est Lost at Sea, un petit walking sim façon What Remains of Edith Finch, mais ça s'annonce quand même moins bien. Hein, ça va être deep, ça va être. Oh là là, trigger warning, c'est trop deep. On va voir ça, ça va nous changer un peu de RE8. J'ai pas envie d'y rejouer encore. Ça, c'est un peu pour nous, quand j'ai pas les enfants Resident Evil 8, qu'on a le temps de gaspiller du temps à faire du streaming sur des jeux qu'on connaît, vous voyez. En vacances, allez. 20 jours en stage, allez. Ouais, ouais, mais tu vois, ça va être bien. Il va revenir, il va nous dire positif, négatif, mon capitaine. Si, 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 on l'a fini, ça y est, on l'a fini. On avait commencé donc en hardcore, et en fait, il nous laisse garder notre stuff. Putain de mouche, ça, merde. Et du coup, bah, c'est trop facile, en fait. En hardcore, là, on roll on the game, quoi. Parce qu'il nous donne des matos, on déverrouille des trucs. Enfin, je suis full... voilà. Zoomer encore. Je suis bien équipé, donc c'est beaucoup plus simple que quand on l'avait essayé first run, quoi. Où c'est pas possible. Là, forcément, je commence et... Enfin, voilà, puis pour le run prochain, si on en fait un, on aura peut-être McDom infini, quoi. Donc, en gros, on va tellement roll on the game, you know. Mais pour l'instant, c'est Lost at Sea. On remercie les développeurs qui, bizarrement, dans le mail qui t'envoie mauvais RE, et ben étonnamment, j'aurais aimé dire mauvais, mais j'ai kiffé, en fait.
Un peu comme le remake du 3. On voit que c'est pas ouf, mais on prend plaisir parce que le gameplay est là. Et que c'est un gameplay basé sur le scoring, basé sur... Et comme je le savais avant, je m'étais pas fait des montagnes de trucs. Alors oui, je suis déçu, le premier run est décevant. Quand tu veux découvrir le scénario, c'est décevant. C'est vraiment du remplissage et tu vois, bon, l'histoire... Mais j'aime bien ceci, ce qui m'énerve, c'est que la dernière heure aurait dû être diluée dans tout le jeu. C'est-à-dire qu'à la fin, on apprend tout sur le scénario, comment ça raccorde au set, j'ai adoré ça. Ethan, j'aime beaucoup la fin, Ethan et tout. Mais vraiment, putain, le Zero Remaster, ah non, Yugi, fais pas ça. Et, mais bon, le remplissage, même Dimitrescu, très décevante, parce qu'elle crève assez vite. Ouais, ils ont mixé RE4 à peine pour les monstres, et le fait que ça se passe dans un village, mais en vrai, c'est plus RE3 remake en vue FPS, quoi. RE5, oh non, rien à voir avec RE5. Oh non, RE5 était vraiment... le côté TPS, c'est pas comme FPS, pas tout à fait pareil. Non, mais c'est un peu le côté scoring speedrun du remake du 3, bon alors en vue FPS. Mais le 5, ouais, non, j'ai fait le 5 hein, en coop et tout, vraiment pas les mêmes filles. Puis le 4, c'est quand même beaucoup plus lent et beaucoup plus comique. Celui-là, il est un peu comique quand même, mais un peu tragique, tu vois. Ouais, la collecte d'objets, je sais pas, ouais, sur ce niveau-là. Hein. Mais là, le niveau du. En fait, on prend plaisir à jouer quand t'es en hardcore, que tu fais une New Game Plus avec du matos, c'est que tu t'éclates, en fait, voilà. Le duc, ouais, le duc est sympa, mais ça va pas être creusé. Mais c'est pas le duc qui m'a intéressé, c'est vraiment le fait qu'Ethan, voilà, le fait de revoir Evelyn, de pourquoi. Bon, c'est un petit peu pété, il explique pas trop, mais bon. Bah, c'est ça, elle est là, et on la bute, et en fait, c'est même pas la meilleure des méchantes, c'est même celle la moins intéressante, je trouve. Parce que les trois autres ont un truc un petit peu tragique, tu vois. Elle, bon, c'est juste une grande pute qui boit ton sang, quoi. Pour être vulgaire. Hein. Studio Fizzbean qui fait notre jeu de ce soir. Et donc oui, dans le mail où ils te donnent la clé, ils te disent oui, mettez-nous sur vos tweets et tout. Moi, je m'attendais à ce qu'ils retweetent, que dalle, bah les couilles. Si tu fais pas le stream à la sortie du jeu, ils s'en foutent. Hein. C'est pas plus mal, de toute façon, je vais sûrement dire du mal. Bah le 9, je sais pas, qu'est-ce que ça va être le 9, j'ai pas d'infos. Enfin, j'ai pas lu les infos. Non, la fin du 8, c'est très bien. L'arc Ethan était vraiment bien. Et c'est Ethan, c'est quand même le seul perso qui, à la base, il est pas du milieu, quoi. Il a eu le malheur d'épouser une nana qui bossait à Umbrella, quoi. C'est vraiment ça, j'aime bien. Bon, après, là, c'est... Bon, le petit plot twist est un peu débile, mais bon. Enfin, on le savait déjà, en fait, le plot twist, plus ou moins. En plus, il est un peu mensonger, le plot twist du 8, ça. Parce qu'en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, bon, si on veut. Ça va être un peu moins fort, mais ça me casse les oreilles. J'aime bien la mer, mais là, c'est trop de la mer. Voilà. Pas de la demeure, hein. Donc, la mer violette, on fait un nouveau périple en français. Ça sort sur Steam à 14 balles, je crois. Donc, on va voir. Donc, c'est très la réflexion sur les sentiments. Vous voyez. C'est trop deep. De toute façon, c'est trop deep. Je vous ai prévenu, la soirée, c'est deep. Ça joue ou ça joue? Je sais pas. Ça bouge là, non? Hein? Comment ça? Ah, bah oui. C'est un jeu à énigmes. Je sais pas trop ce que c'est. Non, ça va être Edith Finch, tu vois. Tu vois, ah j'ai littéralement le début d'Edith Finch, bon, sauf qu'on ouvre un bouquin dans Edith Finch, mais. Je crois pas qu'il y a des lignes tant que ça. Si, il y a des lignes. Ou Xexos, bonsoir, Xexos. Pourquoi je vais taper Xexos? Tu es sexy? Mais j'avance ou pas? Alors avec Z et S. Bon, je sais pas, ça fait avancer le temps. Moi je sais pas trop ce que ça fait. Mais si j'avance, mais en fait c'est mal fait. Si le fif, eh oui. Cigare et prothèse de genre. Cigare et prothèse de genre. MDR, c'est fort. C'est fort le son là. Ouais, moins fort, s'il te plaît, merci. J'ai rien compris à ce que je fais. Hein. Mais c'est deep. Pseudo. Ah. Affrontez vos peurs. Le jeu il est tellement deep, il est obligé de t'expliquer quand même. Là, c'est censé représenter votre peur, en fait. Donc là, vous voyez, c'est un traumatisme. Comprenez que c'est deep, vous avez compris ce qu'on l'a écrit, en gros, dans votre langue. Et c'est une blague. Et je dois faire quoi, du coup? Mais ça me sert à quelque chose, la boussole, en vrai, hein? Et comment j'avance? Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas si le jeu, ça avance tout seul ou pas, j'en sais rien. Ça me gratte, putain, de brûlure, de... Soleil de merde, de coup de soleil. Bah je comprends pas ce qu'il faut faire en fait, parce que le jeu il me dit pas. Et il faut que je fasse quoi?
Putain, ça c'est encore une bande d'étudiants qui s'est branlé la nouille en soirée. Un peu arrosé, ils font « Ah, fais un jeu trop deep hein. !» On se fera affronter ses peurs, on se sent des petits nuages, on dira pas au joueur ce qu'il faut faire, monsieur. Mais on lui dira quand même ce que ça représente, parce qu'on est trop nul. Visuellement, on sait pas trop représenter la peur, tu vois, on est pas très futé, quoi. Là, je sais pas si j'avance, je sais pas ce que je fous, en vrai. Il y a un moteur à mon truc ou quoi? Mais en fait, ça sert à rien, j'ai juste à attendre, en fait. T'es que... Bon, c'est pas si au fif la mer, mais ça va. Ah, le soleil. Allez, ça va vite. Clic gauche pour interagir. Ah oui, non, oui, ça va rien. Eddie, tu lui finis cheveux, non, mais c'est ça. Ah. Là, j'ai pris mon drap. Et là... Oh oui, c'est deep. Voyez-vous, c'est tel l'enfance. Voyez-vous, c'est trop deep. Oh putain, je vais m'arracher le dos. Oh, puis à chaque fois je gratte ça me soulage, mais après ça me fait mal parce que ça me rebrûle parce que j'aime me gratter. Fernand. Bon, c'est quand vous étiez enfant, vous voyez, c'est trop deep, hein, faisiez des voyages dans les bateaux en lisant des livres. Il n'y avait pas d'écran en ce temps-là. Hein, dans ce temps-là. C'était le bon temps, il y avait la guerre. Oh putain, mais c'est quoi ça? Oh, petit effet de vent dans le drap qui est poussé un peu trop à fond en fait parce que... Waouh! Perdu en mer. Off Edith Finch. On rajoute Off Edith Finch à la fin. Lost at Sea, Off Edith Finch. Putain, tu sens que ça a fait les. Ça, c'est les mecs qui ont fait les beaux-arts, quoi. Les mecs qui ont fait Terminal L, quoi. Voile chinoise. Ah non, 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 c'est pas ça. Arrête. Succès déverrouillé. Oh là là. Quand le jeu il te donne un succès alors que. Puis cliquer trois fois, ça va être deep. Hein. Non, faut se mettre dans la mood. L'ambateur, il est pas dans la mood. C'est pour ça qu'il profite des jeux. Il tricky tout le temps. Très bonne boussole. Hein. On est sur de la boussole qui sert à quelque chose là déjà. Alors du coup, on va affronter nos peurs, voyez, nos traumatismes. Mais à quoi me sert cette boussole idiote? C'est les traumatismes. Ah, ils ont fait un autre jeu, je crois, les devs ou les éditeurs, je sais pas, qui est un jeu qui s'appelle Say No More. Où il faut dire non plus souvent, on joue un stagiaire et on doit refuser les demandes abusives, mais de façon comique, un peu loufoque. Et à la fin, ça finit, enfin, je suis un peu spoilé chez Zul. Et du coup, voilà. Les pubs gratuites pour votre spirale, ah oui. Mais non, mais c'est la suite de Saw où on voit à peine 3 secondes de Jigsaw. Vous avez découvert une nouvelle étape, approfondissez. La lumière brille lorsque vous êtes à l'abri de la peur. Le verre s'assombrit lorsque les peurs se rapprochent de vous. Âge. Pas pour âge alors. J'ai absolument rien pigé. Mais quel... Ah oui alors. Là je suis l'âge de l'enfance, c'est ça. Mais pourquoi tout à l'heure? Attends, il y avait un truc, je l'ai fait disparaître. Je comprends rien. Interland, lol, c'est pas Wonderland. Et non, mais je ne comprends pas du tout comment marche cette boussole de fuck. On reste trop deep. De toute façon, c'est trop deep. Non, si vous aimez pas, c'est que vous avez pas compris. Complètement pété. Non, mais voilà, je veux dire, merde. Ça fait tellement les mecs, les artistes. Ah, ils sont. Ah, on est des artistes. Hein. Le jeu vidéo, c'est un art. Voyez, on peut empiler les objets 3D. Et on dit que c'est deep. Et c'est plus deep que les jeux vidéo pampan là, avec vos fusils. Là, qui... Non, ça, c'est nul. Plutôt des jeux deep. Je trouve un mirage. On comprend rien, putain. Et surtout, on s'en branle. Il faut un point de départ. On va en parler d'Edith Finch. Edith Finch, ça commence. Bon, vous êtes une nana, vous revenez chez la maison de votre enfant, c'est voilà. Mais là, on comprend rien. Ça va encore être un délire de mon enfant est mort. C'est trop deep. Je sais pas. Oui, allez, j'ai déjà envie d'arrêter. Putain, j'ai déjà envie de foutre le feu là. Là, c'est les connards prétentieux qui croient savoir faire un jeu vidéo, mais hein, ça m'énerve. Casse les couilles. Tu commences pas dans un délire aussi absurde, aussi abscon là. Comment tu veux qu'on s'implique? Comprends rien. Comprends même pas la mécanique de. La seule mécanique de gameplay quoi. Fais au moins une partie tuto simple pour le début. Qu'on comprenne à quoi sert la boussole et comment on s'en sert. Putain, ça me casse les couilles. Hein? Là, j'ai un pansement. Alors, le pansement, c'est par là. Ok. Mission pansement.
quoi? Oh non, des poils. Oh non, pas les poils, ça me rappelle mon oncle. Quand il me disait de m'asseoir sur ses genoux, MDR. Non, c'est faux, attention. Hein. C'est un prank. Hein. Du coup, faut pas que j'y aille là, je vais mourir, c'est ça? Parce qu'il fait nuit. Eh, mais le pansement est là. Oula. Oula, alors pas terre. Non, mais là, je crois que je suis en train de mourir en plus. Mais regardez, là, je vais là, mais. Cette tranche d'un fragment, il doit y avoir un moyen de... Mais je comprends rien, pourquoi le soleil... Ah oui, alors là, du coup, faut que je découvre. Et quand la boussole est folle, c'est que je suis pas loin de... Mais faut que je cherche moi-même. Oui, mais si j'enlève la boussole, je vois plus trop si je sors de la zone, on va dire. Mais la boussole prend un certain... une certaine place. Oh putain, c'est encore bien fait, ça. Pourquoi elle est rangée, la boussole? Je suis mort. Pardon? J'ai mal entendu. Vrai souffle long. Non, j'étais pas mort, j'ai cru. Mais alors, j'ai eu quand même un écran rouge, donc je me suis vraiment genre pris des dégâts, quoi. Mais c'est ça, j'ai pas de barre de vie en vrai, donc bah les couilles, non. Ah putain, mais si le jour. Mais on peut vraiment genre mourir. Ah, t'as rematé Kung Po, tu veux dire. J'espère. Je pique qui s'est foulé, oui, sur du sable. Enfin, non, ça peut être pas du sable ici. Je suis Mélisa. Regardez en VF, j'espère. Cet accent québécois. Ah, regardez, c'est le pansement. Et comment je ramasse ça? Faut que je... Quoi? Putain. Ça m'a téléporté ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est un film, faut vraiment l'écouter. Il faut réécouter la VO pour comprendre les délires de la traduction, des fois. La VO a 2-3 trucs de mieux. Hein. Ling, en VO, elle est mieux. Vie au mirage, oui. J'ai le pansement, je vais pouvoir. Non, c'est en fait voilà, le coup du trailer à la fin du 1, en fait, c'était un prank qui a jamais eu d'autre prévu. Et tout le monde fait chier au Dekkerk avec ça, donc l'acteur réalisateur. Et en fait, non, il n'y a jamais eu de. Jamais. C'était vraiment un prank, quoi. Et tout le monde était deg parce que putain, on le voulait, S2, quoi. Alors il en parle, voilà, il en a parlé plein de fois, mais en vrai ça va pas se faire, non. Enfin, faut... Le mec commence à être vieux aussi. Mais pendant longtemps, on l'a fait chier, alors qu'il voulait pas, puis oui, au bout d'un moment il en a reparlé, mais en vrai... Je pense pas que ça se ferait, puis ce serait moins drôle une suite, tu vois, ce qui marche, c'est... la nouveauté, entre guillemets, c'est la première fois. Mais là, tu vois, je sais pas ce que je fais pas, parce que je suis en danger... C'est... Ah, vraiment, faux. Bon bah, pouf, là ça va mieux, ok. Alors du coup, c'est quoi le pansement, c'est ça? Is it you, pansement? Ah. Remets-toi dans votre pansement. Ah, le pansement, c'était là. Voilà. You just tried the best you can. J'ai vu aucun des Space Balls. Non, le mec s'est vraiment fait chier. Il a pris deux films de Kung Fu, il a retourné des scènes avec des acteurs récents. Enfin, de son époque, mais qui ressemblent pas du tout aux originaux, d'ailleurs. Le maître méchant jeune, enfin le maître méchant dans l'intro où il capture le bébé, c'est un autre mec qui est censé être maître méchant, mais on sent pas du tout. Enfin, quasiment pas. Voilà, ça c'est Edith Finch, mais sans argent et sans le talent, c'est... Ok. Non, ce qui est marrant, c'est qu'en VO, il fait toutes les voix, le mec, quasiment, je crois. Sauf une voix de nana, je crois. Mais pas en VF, forcément, c'est... Puis je me gratte, là, putain... Prendre un râteau ra, dans le dos. Mais on s'en branle, putain, on en a rien à foutre hein, du jeu. En vrai, c'est tellement naze, putain. Fond cracotte, ah oui. Ah oui, c'est bon les cracottes. Je suis désolé, hein. C'est typiquement ce qu'il faut pas faire. Ça me rappelle un jeu qu'on avait fait où le mec parlait de cancer, mais genre c'était trop triste et tout. Enfin, il appuie à fond et là, putain, il. Ils prennent zéro gant, quoi. C'est direct, voilà. Peut-être que je me rapproche pour voir si ça cracote encore. It is cracking or it is not. It is not, hein. Tu peux un petit peu si tu veux. Ah oui, attends. Attends, je vais me le remater comme pour encore. Parce que, attends, c'est bizarre, quand même. Ouais, on va faire ça. Encore un petit peu de lumière. On va faire un live grattage de dos parce que je te jure.
Attends, j'ai même pas de cloque et tout, c'est même pas dans le... Qu'est-ce qu'il fait? Je suis désolé, hein, ceux qui font ces jeux-là, ils savent pas faire des jeux, puis c'est tout. Allô? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il me remet là. Ah non, mais je voulais pas. J'ai recliqué juste pour revenir dans le... Oh non, ton image nulle, là. Un petit enfant dans les mains, tralala. Ah, sur le crâne, bah toi, mon pauvre. Oh, ça va être horrible. Horrible. Moi, ça va, les cheveux m'ont protégé, c'est déjà ça. Oui. Ça s'appelle avoir des enfants, ouais, très bien. C'est trop deep, hein. Moi, je... Ouais, c'est pas mal. Bon, alors, ça, c'est fait. Alors, la voile. On va résoudre l'énigme de la voile à bateau. Mais la voile à bateau, c'est où? Sortir de cette merde, là. Action, la voile à bateau. Oh là là, ouais. Mettre ça pour dormir, putain, mets-moi là sur le dos, hein. Sur les épaules aussi, hein. Encore que... Mais à quel moment je sais quand est-ce que je meurs? Quand est-ce que c'est expliqué? Là, j'étais même pas au pire moment où il y avait des ombres et tout partout. Ça avait à peine commencé à battre mon cœur, vous savez, j'ai eu mort. Et je me refais pas le nounours, hein. Niquez-vous, hein. Gaffe, t'as pas pied. Tu crois que c'est ça? T'as un jeu de secours? Bah... Non. Non, mais genre, je peux pas mettre un petit pied dans l'eau. Serpent, pan. Ça? Non, mais tu vois, c'était pas l'eau, c'est juste... Bon, je comprends rien. Je comprends rien du tout. Plus la merde, ça. Plus la merde. C'est... C'est genre Edith Finch, par des mecs qui ont rien compris à comment raconter une histoire en jeu vidéo. Hein, ça. Non, puis ça commence dès le début en délire abscon. Oh, moi, trop deep, tu vois. Hein, c'est trop deep. Hein. C'est trop deep. Dès le début, c'est trop deep, c'est enfoncé, quoi. Mais oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Bang! J'ai gagné. Je comprends rien à ce qui se passe. Non, mais alors les effets, c'est pas très joli. Mais surtout, ils expliquent rien. C'est nique-toi. Je comprends rien, mais c'est trop deep. Si t'aimes pas, c'est que t'es bête. C'est ça leur défense, hein. Si t'aimes pas, c'est que t'es pas assez sensible. Moi, je suis pas sensible. Non, vraiment. Même Gone Home et tout ça, c'était bien, tu vois, c'était correct. On comprenait au moins. Alors, y'a rien à comprendre, hein. C'est juste... Exactement. Oui, mais je sais pas où faut aller, là. Dans la cascade? Dans la cascade? Oui, bon, y'a un méchant truc lumineux, là, qui me poursuit. Ok, maintenant, je sais que c'est ça qui me tue. D'accord. Ça m'explique pas pour autant ce que je dois faire, parce que là, j'ai pas d'autres quêtes. En fait, les petites boules sur la boussole, là, les petits ronds, c'est les quêtes, on va dire. Les souvenirs, bon. J'ai pas fait celui de la voile, si je l'ai fait aussi, bah faut que j'en trouve d'autres, mais les autres, ils savent pas où ils sont. La boussole marche pas tant que j'ai pas découvert, on va dire, le truc qui déclenche le souvenir. C'est rien. Non, non, mais si, si. Bah, pour eux, c'est clair, comme de l'eau de roche et tout. C'est le projet de leur vie. Mais de toute façon, tu vas voir le dev sur Steam, il a rien fait de. Enfin, ils ont rien fait de fantastique, hein. C'est pas non plus. Puis j'aime bien comment ils vendent le jeu quand ils te donnent la clé. Par le développeur des célèbres tel jeu, et également l'éditeur de tel jeu. Incroyable. On va y voir la Mongole qui est fière là-bas. D'air. Ça, c'est. Bah, ouais. Et on marche. Et... Ah, regardez, il y a une nouvelle couette. Ah, là, c'est une quête, ça. Non, pas du tout, c'est des feuilles. Parce que je sais pas, ça avait un côté un peu lumineux, j'avais cru. Oh, et nique-toi, le monstre, là, c'est bon. C'est vraiment nul, putain. Mais oui. Ça me flingue, quoi. Hop, oh, putain. Ah bah oui, mais regardez, il a beau... Ah non, c'est la lune, ça. Non, c'est pas le méchant. J'ai envie de m'arracher le dos. Ah, c'est un truc de fou, là. Bien, j'ai pas eu le temps de prendre ma douche, encore. Il a fallu que je fasse d'autres trucs. On va faire tout à l'heure et je sais qu'après la douche c'est le pire en fait. Ça me gratte tellement après la douche. J'ai devenir ma boulie, hein. J'étais là, faut pas toucher. Comme ça. Bon ben, va falloir que... Heureusement que les devs sont pas venus, hein. Je leur ai dit mais votre jeu il pue la merde. Smells like shit. Coup de soleil. Coup de soleil de dimanche. Et putain... Je morfle. Ah mais je mets de la crème, mais la crème que j'ai a plus la merde. Ah non, mais la montgolfière, c'est la maison.
de la Goldrine couchée. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Ah non, je connais pas ces choses-là qui font peur, avec un nom qui fait peur. Non, non ils m'ont filé une crème anti-inflammatoire. Ah, c'est l'homéopathie, ouais. Anti-inflammatoire qui est censé aider la fonction régénératrice de la peau, mais rien du tout. Ça marche que dalle. Hein. Ah, mais il y a un truc, là, regardez. Alors. L'homéopathie, ouais. Alors, c'est par là. Là, on fait la quête du truc. Je sais même pas ce que c'est. Mais ça, tu veux pas lancer genre une quête là avec ça là oh. Donc, c'est la quête du quoi du drap, du sac plastique de chez Auchan. Je ne sais pas. En tout cas, on y va. On suit la bousse. Ah, bah, il y a un trampolin maintenant. Oh putain, il y a une mouche. Oh, j'en ai marre. Ce qui m'énerve le plus, c'est la mouche. C'est pas les brûlures. You could have broken something. Boing. Zboing. MDR. Faut que j'attrape ça? Ah oui. Oh yes. Mouche, mouche. Ok, ça c'est un peu rigolo. Oh, nique ta mère! Et là on se casse pas les jambes. Ah, faut tout recommencer. Ah bah non, ça pue la merde là. Et c'est super dur à se repérer en vrai. C'est triste. Oui. Et du coup. Ah, on continue. Ok, d'accord. Ah, faut retourner à la maison pour l'activer. Ok. Putain, c'est trop bien. C'est une cape de Superman. Moi, j'avais la même. Qu'est-ce qu'on y a joué avec cette cape? C'était ma tata qui en avait fait deux. Des capes de Superman, elle avait fabriqué tout en rouge. Avec un petit bouton super pratique, un petit élastique, ça tenait vachement bien. Putain, on les a détruites les capes. Enfin, à force de s'en servir. Hein. C'était trop bien. C'était guisé en Superman et tout. Ah ouais. Bon, c'était juste ta cape, hein. Puis on était en survêt en dessous. Hein, mais... Ah ouais, non, mais non, non, ça... Déjà, j'aime pas me tartiner des crèmes, j'attends que ça passe. Là, j'ai dû mettre parce que vraiment. Faut que je bosse et tout, mais. Attention, encore une belle image. Oh. Oh là là, je fais vroom vroom dans mon avion en carton. J'ai jamais joué à ce genre de truc, je me suis jamais fabriqué. Ça, c'est pas un truc très français. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bah dis donc. When are you old enough to really estimate the dangers of life? C'est intéressant. Ça me fait penser à l'autre jeu. Attends. I changed my mind. You can't go on that boat trip after all. Quelle actrice. Oh non non, je suis très très effrayé. Allez, un petit succès en plus. Vous savez, le jeu s'appelait Maquette, je crois. Il y avait un système un peu pas à la Portale, mais plutôt à la Superliminale un peu. Bon, l'histoire était toute pourrie, hein, histoire d'amour à deux balles et tout, mais au moins il y avait un gameplay un peu waouh, tu vois, avec un petit effet waouh, t'es un peu pété. Là, il n'y a rien, quoi. C'est. Tout ce temps gaspillé pour faire un truc aussi naze, quoi. Si lambda, putain, ça me bute, quoi. Non, mais ce qui me bute, c'est que les mecs, ils y ont dû passer un petit peu de temps, tu vois, et je suis obligé de dire que c'est pas bien, en vrai. Je peux pas dire payer 15 balles pour ça, tu vois, il y en a d'autres des mieux, enfin. Très malhonnête. Oh, puis c'est deep. Putain, c'est tellement subtil. C'est Vin Diesel, c'est la famille, c'est family. En voyant, regardez Fast and Furious, j'ai compris que c'était family. Celui que t'as fait, ouais, il y a pas très très longtemps, Maquette. Hein. Ouais, il y a quand même quelques mois, hein, quand même. Et oui, tu sais, tu déplaces la pièce, hein, une petite maquette d'une pièce à un endroit, et en fait, ça fait bouger la vraie pièce taille réelle plus loin, et selon que tu passes par une porte, t'es petit ou t'es grand. Non, c'était vraiment pas mal, c'était pas aussi bien que Superliminal, on va dire. Mais le monstre, il sert à rien, ouais. T'as juste à marcher, tu t'en fous. Et sauf si t'as pas de chance, mais sinon... Alors, ouais, ça, c'était un peu plus... tu vois, c'était restreint sur une idée. Et c'était les peurs enfantines, et on comprenait. Moi, j'étais pas là à chercher 40 millions comment ça fonctionnait. Même s'il y avait il était assez moyen, oui, c'était
avec le bébé Among the Sleep, voilà, parmi les Sleep. Et ça, c'était pas mal, c'était pas mal. Il manquait un peu de, voilà, de, d'idées, en fait, parce que niveau gameplay, c'était assez vite limité, ils avaient pas tant d'idées que ça, les mecs. Puis pas un milliard de trucs à raconter, puis le plot twist du « en fait, c'est la maman qui est méchante », bon, okay. C'est pas non plus, hein, bon. La vérité, c'est que dans la majorité des cas, bon, voilà. Non mais voilà, mais il était mieux. Là celui-là, ils savent pas. Pff. Mais là, j'aime tuer, ouais. Going to kill my papat. Ouais, allez, nick. Bon, je vois rien. J'avance. Je suis la flèche. Putain, il y a la mouche. Allez sur ma tablette, elle va déclencher des blagues. MDR. Putain, ça serait stylé, ça. Non, tombe pas. Voilà. Fun fact, cette scène du ballon, en fait, là, ce que vous venez de voir à l'instant, en fait, moi, je sais que ça a coûté quelque chose comme 100 millions d'euros. Voilà. Ce qu'ils m'ont demandé de les aider, ils voulaient une scène, j'avais fait, bon, les gars, je vous la fais, vous me filez 100 millions et je vous le fais. Ils m'ont dit, oh, on n'a pas le budget, bon, je l'ai fait pour 25 balles parce que je suis gentil, mais c'est moi qui ai inventé la scène des ballons, là, voilà. Donc, bah, si ça vous plaît pas... Ça va coûter 25 balles, donc... Mais qu'est-ce qu'il c'est? Je leur avais pas dit de faire ça. Ah ok, c'est bon. Mais attends, il y a le méchant qui m'agresse. Donc, bon... Bah oui, mais tu sais ce que c'est quand t'es en indépendant, tu fais ce qu'on te dit, tu connais pas le projet final, quoi. Puis il m'avait proposé, j'aurais dit 10 millions, il m'avait dit peut-être. Alors, tu vois, j'étais... Mais bon, 25 balles, c'est bien aussi, hein. Pourquoi j'ai mal comme ça? Non, j'ai mal partout, je suis cassé. Mais non, mais moi j'ai juste fait la passage des ballons, hein. Pour l'instant, c'est le meilleur passage du jeu. Hein. En plus, ils ont salopé le bon code que j'avais fait. J'avais pas fait comme ça, mais c'était plus fun à la base. Il y avait un robot géant, des attaques spéciales, des combos. Bon, ils ont fait juste pop les ballons. Alors, c'était mieux, hein, ce que j'avais prévu. Si je retrouve la bêta, je vous la mettrai. Non, parce que là, c'est tout gâché. Hein. Ben oui, mais là, c'est le méchant. Je vais pas aller là où il y a le méchant, c'est con. Je suis con, mais quand même. Putain, mais regardez cette animation de cascade. Scène de 3 secondes. Oh, bah oui, bah j'ai fait mon proto et tout, j'aurais montré. Bah oui, il fallait bien, bah oui. Quand même, je suis un professionnel. Tu sais pas faire le jeu vidéo, toi, tu connais rien, toi. T'as découvert ça la semaine dernière, c'est ça, non? Tu joues comme Gotaga, là, tu joues à Honkai Impact, là. Ouais. Ouais, allez, c'est bon. Est-ce les professionnels? En plus, vous êtes là et tout, OMG, c'est le début de la fin, mais quand est-ce qu'il a pas fait autre chose que du commercial et du sponsor Gotaga? Enfin, ça, tu vois, c'est connu pour ça, non? C'est Red Bull, machin, enfin, c'est un mec, c'est un homme sandwich, quoi, il est pas là pour... Enfin, dans les jeux, ouais. Donc oui, non, enfin, on fout. C'est à ceux qui payent le plus. J'ai vu JDG qui veut attaquer YouTube en justice à cause de la censure. On te dire que ça marche pas comme ça, en fait. Pas sûr que ça donne grand chose, hein. YouTube France, ça existe pas vraiment, en fait. C'est une boîte mail, YouTube France, je pense. Hein. C'est les lois américaines, tu sais, qui s'appliquent, alors bon... Y'a peur que ça donne pas grand chose, mais je comprends que le mec soit vénère, hein, ça... Même si, bon... si vraiment tu voulais changer quelque chose, fallait peut-être s'y prendre avant de... Enfin, tu vois, quand t'avais déjà du pouvoir d'influence avant, fallait peut-être pas attendre, c'est un peu tard. Hein. La législation française, de la respecter, oui, non, pas vraiment, non, ils sont pas obligés, hein. Pas plus que ça. Hein. Surtout ce qui est artistique, je trouve pas vraiment de... Non, c'est les lois du pays où ils sont, le siège, hein, je suis pas sûr que... Bah, et si, mettons, oui, ils pourraient pas mettre de la pornographie, tu vois, pour être grave, mais pour ça, le droit à la parodie, le droit à... À mon avis, y a aucune obligation de laisser faire ces trucs-là, hein. Tristesse du jeu, quoi. Ils essayent même pas de faire de métaphores. C'est oh, oh, je suis un vieux. Je vais mourir, Timmy. Oh, oh, ce sera triste. Ce sera deep. Oh, oh. Donc, non, mais enfin, de toute façon. Il fallait que je perde un petit peu comme ça. C'est pas illégal pour une plateforme privée, bien sûr, hein, mais de toute façon, c'est pas. Non, mais disons que la censure.
Y a moyen de travailler. Non, arrête, il y a le Queen. Exactement, déjà qu'Adopi ferme, on n'a pas réussi à le faire dans notre propre pays avec nos propres lois et nos propres projets. Alors tu crois vraiment que YouTube, on va dire, ah bah excusez-nous, on va vous autoriser à faire des trucs qu'on n'autorise pas au reste du monde, hein, bien sûr. Parce qu'en France, on a le droit de montrer des nichons et des zizi, quoi. Enfin, tu vois, c'est... je peux comprendre l'envie de sanctionner, quoi. De dire à YouTube, bah ouais, non, là, vous allez trop loin, et je comprends bien, mais il n'y a pas 36 façons, c'est... Tu crées une plateforme en France, et bah... Ou en Europe, et voilà, mais ça il aurait fallu le faire il y a des millions d'années, quoi. Quand t'avais de l'influence, et que bah ouais, non, enfin. Le problème, c'est que ça coûte beaucoup trop cher et que c'est trop tard. Maintenant, Google a pris le monopole. Ça va être compliqué, hein. Bon, il y a un escalier là, on va essayer d'aller voir. Pas du tout, plus la merde, l'escalier. Ouais, mais ils sont où les autres trucs qu'il faut que j'active? Parce que là, en vrai. Mais au lieu de me montrer les trucs que j'ai déjà fait, tu veux pas me montrer les trucs que je dois faire? Parce que... Attends, c'est G, ça. Non, mais je sais pas, la voile, on dirait, il me dit que je l'ai pas fini. Si, je l'ai fini, la voile. Je sais pas trop. Non, mais fouille, non, mais ta gueule. En plus, leur boussole qui s'affiche en temps de chargement, il y a écrit « salaud ». En bas à droite, je sais pas si vous voyez quand il y a un petit temps de chargement. Marqué salaud. Philippe. Ah, il y a le bateau là, mais je sais pas comment on monte là-haut. Et puis il y a plein de Darkness of the Night, quoi, tu vois. On se fait profondément. Bah oui, il y en a encore, toi tu joues pas, mais. Moi faut que j'appuie sur Z, hein. C'est dur, hein. Même là, je peux pas y aller, là, donc bah, non, ça sert à rien. Donc j'en ai 3 encore à trouver. Hein. Ça, j'ai fait. Ça j'ai. Ben, ça je sais pas. Non, et j'en avais fait d'autres. Il est où mon drap rouge? Il est pas sauvegardé? Attends, mais ça a pas sauvegardé la cape là? C'est ça que je disais, c'est que c'était en secret de quoi le salaud? Non, non, non. Je prends vraiment rien à votre jeu, les gars. Vous êtes vraiment. Vous avez vraiment joué à Edith Finch 5 minutes, vous dites bof. Suffit de faire ça, ça marche. Ah. En plus, ça m'a pas save. M'a save le. Oh, ça m'a pas save ni la cape ni rien, quoi. Puis là, il manque un truc là. Ça c'est bon. Bah si, mais la cape, pourquoi elle apparaît pas dans ma boussole? Je crois rien. Elle devrait apparaître, non? Ça c'est quoi là? Ah, c'est ça? Je comprends pas comment ça marche. Hein. Puis tout, je n'ai pas compris le pourquoi du. Oui. Mais là j'ai tout visité là dans la baraque. Hein. La baraque à frites. Mais j'ai défini le canapé. Non. Mais là faut que je fasse quoi du coup, hein, c'est ça? Attends, c'est quoi ça? Mais il faut que je fasse quoi du coup? Faut que je trouve un truc avec ça? Mais oh. Tant pis, je suis prêt, c'est pas Jojo. Ah, c'est dommage, hein. Il voulait peut-être raconter un truc, mais bah, tout le monde s'en fout. Quoi. On va lui dire, non, on s'en fout, les frères. Offrir. Fouais. Il n'y a rien. Je sais même pas si c'est dans. Bah si c'est dans la maison parce que sinon la boussole me. Il n'y avait pas d'y rentrer. Ah attendez, il va peut-être escalader, regardez. Mais... Ah. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il veut pas monter sur les Lego en fait. Ah, il veut pas vraiment en fait, c'est bizarre. Et c'est. Ouais. Bah oui, mais tu veux pas, y'a rien dans la maison, qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot? Frérot de la Vega, y'a rien. Attends, mais y'a un pont. Pff, oh là là, la catastrophe, quand même. Mec, c'est pas facile de faire un jeu, putain, l'effort. Elle de merde. Alors, on monte
porte sur la maison en coussin de canapé. Petit bulbe 3D, des textures qui s'enchevêtent. Bon, à la limite, enfin, go affronter tes peurs en AV1. Non mais là, je juste affronter l'ennui là pour l'instant. Non mais y'a rien en fait. Oh là, qu'est-ce qui se passe? C'est énorme, putain. Tu marches au pif, y'a rien d'expliqué. C'est... Go affronter les devs, bah ouais, mais... Je peux pas, ils m'ont donné une clé MDR. Putain, le jeu, je vais désinstaller. Et il y a même des jeux comme ça, vous savez, que je prends les clés pour les streams. Je les désinstalle et après, je les masque. La bibliothèque, je veux pas les voir, en fait. Ça m'encombre. Le respect, il est mort, MDR. Ah bah, je pensais pas déjà arrêter le jeu, en fait. Je pensais que ça nous ferait un petit peu... Mais qu'est-ce qu'elle dit, la voix? Ici, la voix. Mais oui, mais je sais pas ce qu'il faut faire, on comprend rien, en fait. Bah, je sais pas, moi, il m'indique là, mais je peux pas y aller, donc... Soit j'ai pas encore fait les quêtes et tout ça... Bon, sinon, il y en a qui ont été voir Kaamelott. Papa, il était voir, je pense. Avec... il a amené son... sa tenue, il s'est mis en cosplay, là. De Caradoc qui veut le gras, c'est la vie, des pédales indépendants, comme ça, avec Angel qui criait ça. Je vois bien tous les deux. Ouais. Des... Je sais pas, j'ai pas envie d'aller le voir au ciné, ça me casse les couilles, un film français. Ah super, il y a une caméra qui coûte une blinde, ouais, c'est bien, ça, c'est pour filmer le même truc que sur M6, c'est pas la peine. Non, mais c'est parce que j'ai pas le temps. J'ai vraiment, je psychote, j'ai pas envie d'aller dans une salle fermée. Bon, ventilée quand même, mais malgré tout, m'angoisse un peu. Hein. Je suis vacciné et tout, mais. Ah bon, j'ai découvert une. Oh, bon, alors go. Oh, bon, alors let's go. Alors là, s'il y a un truc à faire, moi j'y vais. Hein. J'aurais pu, perso, faudrait jouer une saison entière. Ah, carrément, toi t'es un dissident. Là. Ah, un raptor dissident, c'est pas toi. Ouf. Ouais, la série télé, c'était sympa, hein. I had to get Andrew into professional care. Ok. And I blame myself for it every day. Bah des fois, ouais. Mais putain, mais c'est insupportable, en plus, ça me fait faire des détours de marde. Oh yes, ce gamin est en fauteuil roulant, parce qu'il n'y a pas assez de pathos, allez. Pathos, le cinquième mousquetaire. Athos, Porthos, Pathos. Et Thanatos. Alors, chaise roulante égale brosse à dents. Est-ce que tu l'approfondis, tu? Eh oui, ça c'est la bonne question, ça. Ça, j'ai été voir, là, ça, non? Oui, d'accord. Ok, mais attendez, j'ai été disrupté par la brosse à dents. Ça m'a l'air plus accessible. Ça c'est chiant, ouais, mais il faut quand même faire l'effort parce que c'est quand même pas mal, hein, faut pas se mentir. Vu les délais de production qu'il avait et tout, c'était rock'n'roll quoi. Non, mais là, le film, je suis pas. Oh là là, oh, et pampan. Oh, les... oh, du coup, les black beaufs là qui se bousculent, là j'approfondis très souvent là. Ah, aïe aïe aïe. Aïe aïe. Approfondit très souvent, oui. Ah non, là, non, c'est trop beau. Enfin, faut... Non, non, trop beau free, trop beau free. Encore, mais c'est que nouvelles étapes sur nouvelles étapes, ce jeu est très bien, bien conçu. Non, mais je sais, je me doute bien. C'est moi qui dis ça. Non, mais arrête, putain, laisse-moi aller chercher ma brosse à dents, comme dirait Nagui. Hein? N'oubliez pas votre brosse à dents. Ça, non. Pour les vieux, ça. Ah, ça y est. Fauteuil roulant, brosse à dents qui m'amène à un vrai fauteuil roulant. Lol, où vas-tu? T'as pas de jambes, MDR. Oh putain, ça y est, c'est trop deep. Vous avez vu la deepness? C'est une boule qui flotte de lumière. Plouc! Non, mais comme c'est toujours... Mais allez gratos sur Salto. Enfin, allez gratos, allez sur Salto. Tu peux remettre Seinfeld aussi, avec ton mois gratuit. C'est Salto.
En vrai, c'est le bon move hein, pour Salto. Il aurait dû le faire un peu avant, mais... De choper Kaamelott. Seinfeld, j'étais surpris. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas Friends, par exemple. Voilà. Et vous avez ce gameplay. Mais si, Nether, faut que j'y aille. Sinon, le jeu, il va rester aussi chiant. C'est pas du gameplay, ça raconte rien, vos boules de lumière. Vous comprenez pas que c'est de la merde? Allez, on retourne à la maison. Alors, en vrai, non, pendant que je suis là... Ah, j'aimerais bien voir ce que c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, là? Stip, stomp. Pourquoi il y a un enchevêtrement de wagons? Ah oui. T'as fait même la douleur, elle se fait chier. Une fois, j'étais tellement romantique. J'ai plus faim pour un accident. Ah oui. Je crois que c'était ça. Bon, j'essaie même pas de trouver. Ah bon, allez. Comment tu veux que j'en ai quelque chose à foutre? Y'a rien ou quoi? C'est. Let's have a big wedding and four kids. Des bébés. Voilà des bébés, mettez zizi. Eh oui. Moi aussi je suis subtil. Hein. Et moi aussi j'ai fait un. Mais j'ai raté? Ah oui. Oh, regardez. Oh. C'est beau. Ah, j'ai dû rater un truc. Ah non, c'est bon. Je sais même pas ce que je ramasse. Ouch, sa grand-mère. Bon, bah, de toute façon, on va ramener tout ça à la maison. Enfin la poésie, bah ouais, demande à l'écoute, il sait. Tu fais une rime et puis hop, c'est bon. Ouais, ouais, ça marche. C'est ce qu'il fait. Pécho toutes les meufs. De ouf. Tu me l'as déjà dit. Comme du ping-pong. C'est une table de ping-pong, ça, non de, c'est de zup en béton, là. Faut pas qu'on vole la table. Encore une... Oh, regardez, c'est des zombies. La gueule de zombies qu'ils ont avec leurs yeux en étoile, là. C'est flippant, hein. Ils font des bisous, tu sais ce que... Oh là là. Oh, c'est trop deep. Dans ce trash-là. You already feel like an adult. And that never stops. It's just your age that changes. Putain, c'est tellement beau hein, ce qu'ils disent. Moi, je suis très ému. Je suis très ému. Andrew, he's forgotten things. Important things. Is that why I remember them? For the both of us? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, j'ai déverrouillé un succès Butterfly, c'est l'album de Super Autocar. Et non pas Super des Tocards, hein. Butterfly, Butterfly. Ah oui, c'est la brosse à dents. Qu'est-ce qu'il dit, un super bus hein. Ça se passe bien la carrière hein. Pas ouf, hein, me semble. Butterfly, qu'est-ce qu'il dit? Butterfly, midi. Pourquoi mon bonhomme, il marchait de diagonale là? Bon, c'est le décor qui doit être diagonale. Imagine, on finit le jeu dans 10 minutes là, parce que je fais beaucoup de trucs à la suite là. Butterfly, voilà. Hein, le cul ou la mouche, ça c'est drôle. Ou le vol, peut-être. Non, c'est pas ça, pour ça non? Ah, c'est pas ça. Ah bah voilà, c'est cause la vulgarité. Alors c'est trop vulgaire, moi c'est trop vulgaire. Ici c'est un stream, là on est sur un jeu un peu deep. Je me sens perdu, j'ai mis ma brosse à dents sur ma chaise roulante, je sais plus où faut aller. Ça se met pas là normalement. Ça c'est vraiment zéro budget quoi. Waouh. Oh c'est trop deep. Ça bouge comme ça légèrement, comme ça le JPEG. Waouh, c'est trop deep, waouh. La deepitude. Putain, cette mouche, mais.
commence à danser sur la chaise et il tire pas qu'à brosier. Non mais oui, c'est très triste, hein, c'est sûr. Limping, barely hanging on. Sans merde. This can't be a memory. I was never here. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, de quoi tu parles? Putain, ta gueule. Peut-être parce que ça me démange dans le dos, hein, mais en vrai j'ai envie de la baffer. Hein. Oui. Molto bene. Il me reste plus qu'un à faire, hein. Mais il y avait un truc qu'on n'avait pas vu là. Ça là, pourquoi ça m'a pas mis au foilé quand je le touche? Ça c'est un truc normalement. Bah oui, mais là pourquoi elle me dit pas un truc à chercher, je comprends pas. Bah, le verre je l'ai pas encore fait mais je peux pas y aller en fait. Ça je l'ai fait, ça c'est bon. Ça, on est d'accord que c'est fait, je l'en fais pas. Non, ça va me le remettre. Non, non, non. Arrête. Ah tiens, bah, TR, on peut changer de mirage. Et tu pouvais pas me le dire. Putain. On peut faire tourner avec TR. Oh bah, je savais pas. Mais aussi, il n'y a pas beaucoup d'énigmes, mais oui, c'est qu'il y a 4 par 4 en fait. Attention le bruit. Ah. Ah bah c'est à main nue, moi, les mouches. Je Bon, alors à quoi ça sert, TR? Ça fait tourner le cadran du haut, c'est ça? Mais il y en a masse! Quel enfer! Côté grenouille MDR. Ah, qu'est-ce qui fait avec les grenouilles dans ma terre? Quelle grenouille! Avec la bestiole. Avec la bestiole? Ah oui, quand il y a le petit papillon là. Combien de kilomètres? 10 millions peut-être? Non, non, pas 10 millions. Oh, je tape moi le dos comme un tambour. Maintenant t'auras les refs, Elquin, non, tu sais, tu fais partie de la famille Kung Po, tu vois. Quand tu verras une image de tigre, tu feras un tigre. Tu vas aux autres, tu feras un tigre, un tigre, un autre tigre. Un oiseau, un oiseau, un autre oiseau. Je suis un grand magicien. Ton chandail, il devient rouge. Oh, comment vous avez fait ça? Faites-le encore. Il devrait être mort. Vêtements sont noirs. Ah, putain. Bon, après, faut bien comprendre que le film, découverte du film, est lié à un moment de ma vie où c'était, tout était rose aussi. Hein. Oh, les ventriloques. En vrai, ça, c'est le genre d'idée que j'aurais tellement aimé avoir. On est tous les deux ventriloques, ventriloques. On est tous les deux ventriloques et on se pratique tous les jours. Transporte les papiers, transporte les paniers, roule papier. Et on couche pas ensemble. Ça c'est le genre d'idée, putain, dans... En détournement, bordel, ça vaut de l'or. Bon, à quoi ça sert? Ah voilà, ça y est. Tu habites sur un banc, baby. Voilà. Passer dans la dark timeline, pourquoi ça fait ça? Attends, quoi? Et quand je fais dessus, ça fait ce boing? Je monte sur le banc. Mais quoi? Qu'est-ce que je dois faire, quoi? Je dois faire quoi, là, en fait? Je fais quelque chose avec le sel. Alors oui, il y a différentes saisons, le soleil qui bouge... Ben, ouais, mais... Qu'est-ce que ça change, en vrai? Ouais, c'est ça. Bah oui et non, parce que tu vois, ça me remet... Hein. Oh,
Oui, truc du temps, ouais, d'accord, ok, oui, c'est... Mais je suis pas sûr que ce soit... Le problème, c'est que là, je sais pas où je les trouve, les autres... Ah oui, nounours, c'est fait. Ça, c'est quoi? On va aller voir ça, allez. Fleurs poussées, ouais. Les gamins qui changent des saisons. Les gamins, je crois. Non, mais de toute façon, je crains rien, je peux me casser. Je peux pas me casser les pattes. Enfin, sauf l'autre fois où je me suis cassé les pattes. Allez, pour les Queen. Ah, tu m'excites, hein. Oui, tu me dégoûtes. Ce passage en VO, il est vraiment légendaire. Ce passage en VO, je m'en remets pas. En fait, Ling en VO fait juste. Elle dit pas tu me dégoûtes, elle dit juste. Elle fait que des pioui et des wiou. C'est tout ce qu'elle fait pendant tout le film en VO. C'est trop nul. Ça vient de mon film, ouais. Mon film, c'est le film de toute une génération. Un mec, enfin le producteur d'Ace Ventura. Qui s'est incrusté dans des vieux films de Kung Fu et qui a fait une parodie, quoi. Enfin, une parodie, un détournement. Mais c'est vraiment de l'humour. Tu comprends pourquoi c'est le mec qui a fait Ace Ventura. Et Jimmy Neutron aussi. Le producteur de Jimmy Neutron. Honnêtement, j'aurais réalisé Kung Fu dans ma vie. Plus jamais je. Ah merde, je vais dans le méchant. Enfin, j'aurais réussi ma vie, ça. Vraiment, c'est tellement. Chef-d'œuvre, quoi. Genre Kaamelott c'est de la pisse à côté, je sais que Kaamelott me fera pas rire à côté de Kumpo. C'est évident. C'est même pas une seconde, il arrive à la cheville quoi. Des idées transgressives tu vois. J'ai vraiment peur que Kaamelott ce soit random. Ce soit la série en plus long quoi. Ouais. Ça sent un peu ça quand même. Avec un peu d'argent et puis une tétrachier de guests hors de prix, bah, comme la série. Qui servent à rien. Ouais. Parce que j'ai vraiment pas envie de revoir Christian Clavier tu vois par exemple. Vraiment, ça j'ai pas envie. Même si son rôle dans Kaamelott est pas si mal que ça. Mais il fait quand même du clavier. Hein. Il a de bonnes dire. Oh, c'est dingue! C'est dingue, ok! Ouais, il fait jouer d'une seule façon, quoi. C'est... Ah, mais voilà, puis Sting. Pourquoi Sting? Je sais pas, je suis moyen, ouais. Oh bah là pour le coup il va plutôt là où on l'attendait avec des gros guests bankable qui au contraire tu vois le voir avec Ellie Simmons ça me... Enfin je m'attendais pas parce que Ellie Simmons c'est quand même le cancer quoi. Comme le mec pas drôle par excellence tu vois qui crée rien d'intéressant. Ah c'est pas l'humour des As, ah rien à voir, non, c'est au-delà des As. Les As, enfin disons que les As c'est devenu maintenant trop connu, ça marche moins bien. Non c'est un truc encore plus barré, ça a presque pas de sens en vrai. Putain, cette mouche, mais... Nique la chemin. Non, les As, c'est plus structuré, les As, voilà, c'est plus clair. Ouais, bah non, mais après, on sait que le mec va pas faire n'importe quoi non plus, mais en vrai... Je pense que c'est un peu... Le film arrive tard, quand même. Tu vois, il n'y a plus vraiment le... La lancée du truc. Andrew and I hated each other. Alors c'est quoi là? C'est un œuf non? C'est un grain de riz? Je cherche pas un grain de riz. Construis un raid pour Shadow Legend. Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il dit? Tu deviens de plus en plus étrange et étrange et aussi étrange. Non mais même tu peux rajouter pas, je saurais même pas où le mettre ton pas. Je saurais même pas où loger le pas. Gaz là? Mais non, c'est pas ce que t'as voulu dire. Y a aucun endroit de ta phrase précédente où on peut mettre le mot gaz. T'as mis, lance-lui un raid par Shadow Legend. La marque raid? C'est quoi la marque raid? Ah, je connais. La marque de quoi? Raid? Ah, d'insecticide! Ah oui, exact. Ah oui, ça y est, j'ai. Mais pourquoi Shadow Legend? Mais là, tu mets trop de vannes, tu vois, ça n'a aucun rapport avec Shadow Legend. Enfin oui, raid Shadow Legend, mais ça n'a aucun sens avec la mouche. Puis je veux pas lui lancer un raid. Oh non, là, non. Là.
avec le raid de Twitch, tu mélanges trois notions pour le mot raid et tout, c'est, qui sont, interagissent pas entre elles. Non, attention, tu vas bientôt écrire un film de Kaamelott, là, fais gaffe. Avec des blagues comme ça, attention. Et mon grain de riz, il est où? C'est trop compliqué. Ouais, c'est comme pour le jeu. On n'est pas assez intelligent, donc on trouve ça nul, c'est pour ça. C'est les mille feuilles, c'est un bon dessert, mais c'est pas toujours très digeste, quoi. Il vaut mieux mettre une seule feuille des fois, et puis ça marche pas plus mal. Une blague sur une blague sur une blague, tu vois. Raid Shadow Legend, raid l'anti-moustique, lancer un raid sur Twitch. Ah là, c'est trop, c'est pas digeste. Alors que t'aurais dit, nique lui sa mouche, sa mère. Ah, ça aurait fait rire Angel Vayou en tout cas. Ça, oui, je sais que ça y aurait plu. Elle est où Angel Vayou? Ah, mais non, ah oui, pardon, c'est vrai, non, mais c'est que pour Angel, faut parler en anglais maintenant. Ah oui, un américain. À l'américaine, comme disait Big Flo et Oli, parce qu'elle aime bien la rap aussi. Yes, Angel Vayou. Very much. Tu vois, en plus, même toi, t'avais. Ah, tu vois. T'avais même pas saisi la multifacette de ta blague. Ah bah oui, de toute façon, maintenant, elle est internationale, Angel Vayou. Vous ne parlez plus en français, vous êtes un paysan pour elle. C'est genre, yes, very much, call me a sap, voilà. Elle est comme ça, quoi. Son petit tailleur, son petit briefcase, là, non, c'est tout, maintenant. C'est ça. Mais je l'ai déjà... Mais pourquoi je reviens là? Elle est chez Apple. Ah ouais, non, mais voilà. Oui, ah oui, elle a un iPhone. Bah ouais, non, mais... Voilà. Bientôt, elle va être Jeff Bezos dans l'espace, hein. C'est prévu. Hein. Bon, Jeff Bezos, c'est pas Apple, mais vous avez compris, quoi. Mais putain, j'ai pas d'outils pour progresser dans la map. Faut que je trouve un chemin chiant, là. C'est où, là? Et Jeff Bezos, ouais. Sur Twitch. Ah bah oui, devant. C'est ça aussi, le mot. Faut pas se... Oh putain, je suis monté, là. Pas se frotter au calor, hein, tu vois. Moi, je suis un calor. Je suis un cadre qu'on adore, tu vois. Pam, pim, pam, poum. C'est un peu la nouvelle Jeff Bezos, mais avec des cheveux. Tout à fait. Et en 3D. Ouais, bon, Jeff Bezos aussi en 3D, en fait, mais c'est compris. De toute façon, quand t'as lancé un site de spécialisé de streaming et de YouTube pour les VTubers, on va voir flou, hein. Vas-y, sauve-toi, je te fais pas, je n'ai rien à faire. Quoi? Oui? Ah, il y a un truc à faire. Alors, j'ai ramassé les cailloux. Ah! Trace de patoune. Ah, je fais trace de patoune. Quoi? Alors, faux fun fact, donc Jeff Bezos, vous le savez, est parti dans l'espace. Et ce qu'il faut savoir, il avait emmené quelques personnes avec lui, des lambdas, hein, pour pas crever tout seul, diront les mauvaises langues. Mais en fait, il faut savoir qu'il a aussi emmené quelqu'un pour que ça fasse un peu plus cinématographique, hein, dans l'espace, parce que c'était bien beau le projet scientifique, enfin un peu de la gueule. Et il trouvait que bah, dans l'espace, il n'y a pas de bruit. C'est comme ça. Il a dit, hey, can you help me to make some cool noise? Et là, il a appelé qui? Dans l'espace, comme ça. Et en vrai, quand vous regardez le replay, à un moment, il y a ça. Dans le replay du vol de Jeff Bezos. Faut tomber sur le moment. Et si vous écoutez bien, le vaisseau fait ce bruit-là. Bon, pour faire un peu... Bon, on entend pas très bien, c'est vache. Bon, on lasserait jamais de ce truc. Petit bisou à Ménépsis, pardon. Je fais une petite pause en ce moment. Bon, qu'est-ce que je dois faire avec ça? C'est mes traces de pâte à moi. Alors, faut pas... Mais c'est... faut que je fasse quoi, là? La forme du double... Putain, mais j'en sais rien ce qu'il faut faire, moi. Point, point. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Putain, c'est la bite, ça. Mais c'est impossible, parce que je sais pas dans... C'est pas facile de faire un cœur en trace de pied. Mais je... Non, ça, c'est... Je sais pas, mes traces, ça s'efface. Je comprends rien. Hein, mais oui, parce que en fait, on entend d'autres bruits de pattes. Hein. Mais t'es putain! Alors vas-y, dis-moi. Tu avances en parallèle de ton might.
Mais pas vraiment, tu vois, à partir d'un certain seuil seulement, en fait. Ok, là on est ensemble. Together. Faut pas croiser ses pas. Okay. Mais je vois rien, putain, c'est les mêmes couleurs que moi. Non, parce que là on s'est croisé puis ça a passé, tu vois, on a... Ah mais il y a un truc à aller choper en fait. Ouais, ok, il y a un truc à aller choper, moi. Bon, fou, je vais trouver un chemin, j'avais fait ça tout à l'heure. Putain, mais c'est chiant. Si je me mets là direct... Non, ça marche pas. Bien sur le bord. Mais c'est nul, il y a juste à se mettre sur le bord. Mais ça pue la merde. Oh, ça pue la merde. Ça a aucun sens, putain, ça a craint. C'est bidon là, c'est pas fun. Oh. M'emmerde, ça vous avez peut-être vu, j'aime pas. Là, c'est. Non, pas pour moi, ni bien, ni rien. Oui, et donc. Donc le couvercle de... Mais j'ai... Oh, on est marre. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je le mets dans mon cul. Bon, après on arrête. Hein. Oh, c'est nul, hein, désolé. Ça aurait été un petit stream, mais là... Flemme. Flemme de ce truc de... Merde. Hein. Oh, c'est prétentieux. C'est nul. Pff, c'est pas bien. Ça se fait... En vrai, t'as de l'argent, tu joues pas ça. Tu joues n'importe quel autre jeu mieux fait. Hein. Déjà que les Walking Sim, faut que, vraiment que ce soit bien fait pour... Parce qu'il n'y a pas de gameplay souvent, donc... Là, non. Là, c'est long. Plus la merde. Ah, plus la merde. Non, désolé, même visuellement, c'est pas beau. Mais bon, ça encore, ça aurait pu être excusé. Si le doubleuse aurait pas été neurasthénique. Putain, puis c'est pareil, la map, elle est chiante. T'es obligé de faire tout le tour. Hein. T'as pas de moyen de locomotion qui se débloque au fur et à mesure que t'avances pour débloquer de nouvelles zones, tu vois. T'as peur, on rush quit. Bah si, là j'avais peur d'un couvercle de casserole. Allons-y. Bah mais faut que j'aille là, ça m'amuse pas non plus. Mais... Bon, puis après, il va falloir que je me douche, et ça va me cramer le dos. Évidemment, je me douche à l'eau froide pour le dos, hein, mais c'est quand ça sèche, quand je me sèche, après c'est bon. Hein. C'est trop bien de marcher, hein. D'avoir fait une map aussi grande là, c'est vraiment la bonne idée quoi. C'est ça qu'on veut quoi. C'est marcher, marcher, marcher. Putain, puis il y en a 5 fois 4, il y a genre 20 trucs à trouver, un truc comme ça, 20-25. Oh fiche. Donc bah n'achetez pas ça, à moins que vous aimiez l'ennui. Non mais en vrai, il y a sûrement un truc à raconter derrière, ça n'a pas l'air non plus une originalité. Oh ouais, on marche beaucoup, oui. Le problème, c'est que pour marcher, il faut qu'elle aille voir son gamin qui a un problème de handicap, a priori. Et qu'elle a mal géré. Voilà, j'ai résumé le jeu, hein, si c'est... La casserole. Sometimes, Andrew and I hated each other. We just... Oui, on était juste des cocottes. Ok, what? Un bébé géant maintenant? Elle l'a foutu à la flotte, le bébé. Ah non, mais Andrew, c'est pas le bébé, c'est le mari, c'est ça? Mais il s'engueule et tout. C'est trop deep. Putain, il y a genre un mec, il a mal vécu son divorce et il a fait un jeu, quoi. Hack. We were able to hold on to each other. C'est un de barrage, mais c'est une métaphore. Danny, I don't want you to die alone. Do you hear me? Eh ouais, c'est super triste. Ça serait un peu moins triste si on faisait quelque chose d'intéressant.
Together, avec l'image de la cocotte, hein, c'est trop beau. Bon, bah non, hein, non, non, faut pas jouer à ça. Hein. Vraiment, faut vraiment avoir rincé tous les walking sims et être prêt à marcher longtemps et à faire des trucs obscurs. Hein. Non, 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 ça intéresse plus personne ces jeux-là. Il y a eu une mode à un moment, mais même. Il y en a eu des beaucoup mieux. Hein. Des petits côtés enquête, tu vois. Là, là, t'es spoilé dès le début. Un enfant handicapé mort, un truc comme ça, un divorce. Enfin, il se passe des trucs en ce moment, tu vois, ce genre de discours un peu. Enfin, de sujet un peu genre pseudo grave, tu vois, genre larmoyant. Avec ce qui se passe en ce moment, c'est de la pisse de chat, quoi, tu vois. C'est compliqué d'être ému par ça, hein. Puis bon, on l'a déjà fait dans plein d'autres jeux, donc forcément, avec ce qui se passe en ce moment, ça paraît ridicule.